suis votre frère Yobo Kwakwa Zen. On faisait des disciples, c'est le pasteur Kwao Emmanuel. Et je suis l'assistant au pasteur dans le ministère de la délivrance. Alléluia. Très fort que le Seigneur est parmi nous et Jésus travaille toujours. Alléluia. Amen. Et ce matin, lorsque le peuple a acclamé le Seigneur et a prié en langue, nous avons eu deux cas. Et le premier cas, c'était le parler en langue. Et nous avons prié et la sœur au début s'agitait. Et par la grâce de Dieu, nous avons prié et elle a commencé à parler en langue correctement. Et le deuxième cas, c'était un frère. Et il y avait deux esprits qui sont manifestés. Il y avait un esprit humain qui l'a donné. Un frère avait rendu témoignage qu'il avait mal à la tête hier. Et cet esprit s'est manifesté, nous l'avons commandé, il est parti par la grâce de Dieu. Et le deuxième, c'était la femme de nuit. La femme de nuit s'est manifestée. Et la femme de nuit, c'est lui qui l'a donné. Quand il allait, chaque fois que le frère va avec la femme de nuit, il fait les pipis au lit. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a aidés. Nous l'avons commandé cet esprit. Et il est parti. Et notre frère a été délivré authentiquement. Et nous voulons dire merci à Dieu pour cette délivrance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais dire merci au Seigneur parce qu'il a trop fait pour moi. Je m'appelle Kama Kwame Mathieu. On faisait des disciples de pasteur Kwao Emmanuel. Ça me fait maintenant un mois et demi que je souffrais d'un mal. Ça partit de là jusqu'à ça descend. Ici, les deux côtés. Je ne pouvais pas m'asseoir pendant 30 minutes. Mon cou là aussi, je ne pouvais pas tourner comme cela, ni comme cela. Alléluia. J'ai été à l'hôpital à plusieurs reprises, mais le même mal persistait. Là, je ne sais pas. En tout cas, tous les soins qu'il faut faire avec le médecin, j'ai fait. Toujours même chose. Mais voilà que depuis hier, quand il partait me coucher, j'ai demandé au Seigneur, et en tout cas, je souffre qu'il enlève le mal. Et le mal, ça a dû à quoi? Qu'il me montre et qu'il enlève le mal à ce que je sois guéri. Alléluia. Voilà que hier, lui, j'ai fait un songe. Je suis venu chez le pasteur, j'ai parté à la maison. Quand je suis arrivé en bas des collines, là, il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a une punaise au niveau de ton cou, qu'il faut enlever. Et j'étends ma main gauche, je vois qu'il y a une punaise ici, vraiment. J'enlève, c'est rouillé. C'est rouillé jusqu'à... Il dit, mais c'est de la tétanos. C'est de la tétanos. Alors là, je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri. Je suis guéri. Et c'est comme ça. Et puis je me suis réveillé. Je voulais dire merci au Seigneur de m'avoir guéri. Que son nom soit sanctifié. Au nom de Christ. Amen. Je suis la sœur Adeline Caboré. Je veux dire merci à Dieu pour deux choses. La première, le premier jour quand on est venu, où papa a dit qu'on a quand même prié que les démons, les maladies qu'ils ont envoyées, qu'ils n'ont qu'à prendre pour partir. Et c'est comme ça qu'on priait. Et j'ai vu une vision. C'est comme si avec deux personnes qui étaient venues à côté de moi. Et il y a un qui avait un canne à sucre dans mes pieds. Et il donnait à son ami. Lui aussi, il mettait dans le sac et ils sont partis avec. Et le deuxième, c'était hier, quand on était assis, au moment qu'on était là acclamé, quand le pasteur a dit encore acclamé. Et c'est comme ça que j'ai vu une vision. Et je voyais trois anges. Il y avait un qui était arrêté ici, et il y a un qui est ici, et il y a le troisième ici. Et au moment qu'on était acclamé, les trois sont descendus dans la salle. Et il y avait un qui avait beaucoup de bagues de mariage dans sa main. Et de l'autre côté, lui, il avait beaucoup d'argent dans sa main. Et ils ont commencé à partager à tout le monde. Acclamez! Après, ceux qui avaient besoin de mariage, eux, ils prenaient les bagues de mariage. Et ceux qui avaient besoin de diplômes, eux, ils prenaient les diplômes là. Et ceux qui avaient besoin d'argent, eux aussi, ils prenaient l'argent. Et c'est comme ça que la vision est partie. Donc je veux dire merci à Dieu pour la vision. Amen. Et maintenant, la sœur Jeanne Caménon, disciple du pasteur Kwao Emmanuel. Gloire à Dieu. Ouais, le Seigneur est bon. Il faut dire que
avant-hier, on a fini la croisade, je me suis rendue à la maison. Et la nuit, mon téléphone sonne. Mon cœur s'est coupé. C'était ma maman. Gloire à Dieu. Et elle me dit, je me suis retrouvée, je suis venue au village. Parce que maman a bon goût à nous vivre. Et notre aînée, elle m'a dit que vraiment ça n'allait pas chez elle. Elle, tous ses enfants, tout le monde était malade. Que vraiment, on dit même la plus, l'avant-dernière, là, même elle est couchée, même elle est mourante. Que la nuit, elle s'est rendue au village. Gloire à Dieu. Ma maman fait partie, ma maman est dans l'œuvre. Quand elle a dit ça, elle a dit, ok, nous allons mettre dans la main de Dieu. Tout ira bien. Là où tu es parti, tu n'es pas seul. Jésus avec toi. Le grand point, elle a dit ok. Et on a causé et j'ai raccroché le téléphone. Gloire à Dieu. Et quand j'ai raccroché le téléphone, frère, je me suis couchée, j'ai commencé à pleurer devant le Seigneur. J'ai dit Seigneur, regarde, interviens. Aie pitié, interviens. Délivre-nous de la mort précoce. Seigneur, interviens. Et hier, quand nous sommes venus à la prière, frère, pendant qu'on était en train de prier pour nos familles, j'étais en train de prier intensément pour ma famille. Et je me suis retrouvée au village, gloire à Dieu. Et je voyais les cercueils brisés. Et j'avais, le papa a dit qu'on avait insisté que les maisons sacrées soient consumées. Et je voyais les maisons sacrées consumées. Je voyais le feu. Et il y a un tabouret noir que chez nous, là-bas, il y a mon oncle qui est le chef du village, qui adore ça. Gloire à Dieu. Et j'ai vu le tabouret noir était consumé. Et le Seigneur me disait que. Ils ont dit que ta soeur et tes enfants, et vous allez mourir. Mais j'ai brisé les cercueils. Je les ai délivrés. Gloire à Dieu. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Et j'ai servi cela, gloire à Dieu. Quand je suis arrivée à la maison la nuit, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit, allô, c'est comment? Elle dit, ça va que je me suis retournée à Bongwano. Que à l'heure où tu m'appelles, je suis à la croisade de prière, je te rappelle. Que je vais infiniment dire merci au Seigneur d'avoir délivré notre aîné et ses enfants de la mort prématurée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis le frère Comment Sébastien. Mon frère ici, c'est le pasteur Roy Emmanuel. Je suis accompagné de mon épouse, la sœur Comment Diane. Son frère ici, c'est le pasteur Bam. Adaloa. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur pour trois choses. Alléluia. La première des choses, c'est dire merci au Seigneur qui a accordé le BPC à trois de nos disciples. Alléluia. Et la deuxième chose, Dieu a exaucé deux de nos sujets de prière de l'année passée et nous voulons lui rendre toute la gloire. On a prié pour la conversion de son grand frère. Alléluia. C'était l'un de Stéphano. Et par la grâce de Dieu, son grand frère a donné la vie à Jésus. Il est parmi nous. Alléluia. Amen. Et la le troisième sujet. Il est où? Voilà, on dit il est parmi nous. Il est où? C'est Yamis. Voilà, monte ici. Même bien. Même avec casse-tout. Non, viens avec. Viens avec. Comme il dit. Viens avec. C'est le témoignage oculaire. C'est vivant. On touche. Oui, parle pendant qu'il arrive. Gloire à Dieu. Et le troisième sujet était que après le mariage, Dieu nous bénisse avec un enfant. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le bébé est là. Et le Seigneur nous a aussi. Merci pour sa grâce, pour son amour et pour ses bienfaits dans nos vies. Que l'honneur lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me nomme la sœur Jeanne Cameron, disciple du pasteur Kwawe Emmanuel. Gloire à Dieu. Et il faut dire que tout à l'heure, quand papa a demandé à ce qu'on acclame et on prie en langue, et il faut dire que pendant que je priais en langue, j'acclamais. Il faut dire que j'étais fatiguée. Mais je recevais dans mon esprit que je devais acclamer, que je devais continuer à acclamer, que je ne devais pas baisser les bras. Et c'est ainsi que j'ai continué à acclamer. Malgré que j'étais fatiguée, mes deux bras ne pouvaient plus tenir.
Mais j'ai commencé, j'ai toujours acclamé et à continuer à parler en langue. Et en vision, le Seigneur me montre une grande voix non bitumée. C'est comme la voix d'ici jusqu'au Baudron. Et il y avait les cailloux, les gros cailloux sur la voie non bitumée d'ici jusqu'au Baudron. Gloire à Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur a donné à les anges de descendre et d'enlever tous ces cailloux. Et les anges sont descendus et ils ont enlevé les cailloux d'ici jusqu'au Baudron. Et quand ils ont fini d'enlever les cailloux, ils sont montés. Et je voyais au ciel, les anges étaient en train de se réjouir, de danser. Et il y a un ange qui était juste à côté de moi qui me disait, sois dans le repos. Je vais dire merci infiniment au Seigneur. Lui-même qui me dit d'être dans le repos. Et je suis dans le repos. Au nom de Jésus-Christ. Amen.